Regarde comment j'ai réussi à la poser. Ok, super. T'es content? Oui, crois que tu vas faire le Mario le cirque avec ton tour là. Allez, prends ça maintenant et viens, on y va. Oui, papa. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit, Angélique, dors bien. Allez, on y retourne, on va griller du fantôme. Ou du bon fantôme. Vous voulez que je fasse la chasse fantôme comme ça, c'est ça? Ok. Je suis... Pardon. Gilbert Mature. Au secours. Tu disais quoi, Gérax? Faut remettre des briquets, par contre, les petits jeunes, là. Ah, les petits jeunes. On dirait que c'est un preneur d'otages qui nous... Je suis un peu un daron. Ça fait vraiment la voix du mec qui passe à BFM TV, mais qui a vendu beaucoup de drogue dans sa vie. Il a un passé, il a un background et il doit parler maintenant. Il doit dire les choses, tu vois. Ouais, alors bonsoir. Moi, j'étais dedans, moi. Ça faisait longtemps, déjà. Moi, ça me fait penser à un mec qui a un podcast sur le développement personnel. Ah bon? Ouais, ça me donne cette vibe-là. Vous rigolez, vous mettez pas de bougie. On dirait que je suis énervé avec cette voix. Et avec cette voix, en fait, on dirait que je suis vénère. Mets-toi prêt, là. Ça fait un peu street cred. Non, mais attends, faut mettre du matos, là. Toujours le même pour attendre. Dis, je peux vous tuer même si vous n'êtes pas dans la pièce. Je peux... Attends, faut que c'est dur. Faut que je le fasse sérieusement. Je peux vous tuer même si vous n'êtes pas dans cette pièce. Ça passe? J'ai pas la ref. Ça passe. Fais le daron. Oh, Dimitri, à table. Dimitri, viens te changer. Je t'en mettre une, là. Va t'en prendre une, hein. Comment tu parles à ta mère? Fais 4 fois que je te le dis. À la 5ème, ça part. Pour l'instant, c'est ok. Il neige. J'ai l'impression que je peux pas déconner, il faut que je sois très sérieux avec cette voix. Genre, tu sais, y'a pas de blague. Y'a pas de blague. On est là, on n'est pas là, voilà. Sur le terre-terre, tu joues, tu te calmes, quoi. C'est tout. Disons qu'avec cette voix, n'importe qui pourrait te remplacer, on le verrait pas, quoi. Là, tu vas arrêter de me parler fragilement. J'ai 0,9 juste à l'heure, en rentrant. Vas-y, je rentre. Je tente à la bougie, mais... S'il y a un problème, je mets un coup de boule, de toute façon, fantôme. Ici, là, viens ici. T'as pas de courant, là, vas-y, pisse sur le compteur électrique, fais quelque chose. Par là, là, il y avait 1 degré, là. 1 degré, ouais, c'est bien. 3,4 à côté du piano. Planche de Ouija. Planche de Ouija, ok. Où ça? Buanderie, tout au fond à gauche. Par contre, j'ai trouvé le compteur garage. Avec l'os à côté, oh bah royal. Vas-y, attends, on va mettre le courant, on va le trouver, ce bouffon. On va jouer, ce bâtard. Putain, il a coupé le courant. Je te jure, j'ai l'impression que tu vas me vendre une marque de protéines. Bonne prod pour être un vrai homme. Un vrai alpha. J'ai trouvé l'os, là. Ouais, c'est bon. Ok, mais vous l'avez pas ramassé. Ok, ouais, je vois le respect. Respect des anciens. Quel âge avez-vous? Imagine, je commence à avoir peur, il y a toute ma crédibilité qui s'envole, hein, je vous le dis. Ah, j'avoue. À tout moment, j'ai peur et ça fait... Ça met 1 degré 9, mais il est où ce putain de fantôme? 1,2 là, putain. Ouais. Oh. Téléphone. C'est ton dealer? 1,8, Décroche. 1,5. On va le... Ouais, non mais il pourrait être dans les parages. Il est dans les backrooms ou quoi? Il y a pas mal de placards, en tout cas, c'est quoi ça? Pas mal de placards. Beaucoup de rangements, c'est bien aménagé comme maison. 0,8. T'as une bonne surface, où ça? 0,8, ici. Dans la salle de bain, 0,1, il est dans la salle de bain. Salle de bain. Sors de là! Sors! Sors de là! Où ça? Ça s'est cerné! Sors! Ouais, voilà, on est d'accord. 1,9, ouais. Ouais, ça, bah c'est elle qui était déjà allumée. Putain, mais il ferme la porte, son cul! Cachez-vous! Mettez la gueule. Ça me tue! Pétez la gueule! N'importe quoi! Reviens, je te soulève. Êtes-vous dans cette pièce? Oh, tu rigoles. Colle pas, moi. Ça te fait rire? Je crois que c'est marrant d'être chasseur de fantômes. Tu le prends comment, là? Quel âge avez-vous? Ouais, y'a pas de bougie. J'ai mis le crucifix. Là, tu se fous de ma gueule, il a cru qu'il était chez sa mère. Ça n'aurait pas longtemps, mais ça va. Le pire, c'est que j'arrive jamais à savoir quand tu rigoles, quand t'es sérieux, quand tu t'énerves. C'est ça qui est horrible avec ce truc. Ah non, mais je suis en mode RP là, hein. Je suis full RP évidemment, ne le prenez pas. Très perturbant. Ne le prenez pas à cœur, hein. C'est juste des bolos, c'est tout. Ah non, mais moi je suis vexé, hein. Je t'ai écrit dans la liste mes ennemis. Il faudrait nettoyer la zone pour confirmer que c'est vraiment sa zone. Ouais. La porte! Ah
La porte, la porte, il attaque. Oh putain. Ah, je suis morte. Il allait vite. Il va trop vite. Je pensais qu'il y avait une apparition. Je suis resté planté, hein. Il y a quelqu'un qui vient de pop là. Putain. Qui est mort. Et on est tous morts. Je sais pas, Jurax et moi on est morts. Il reste qui là? Clem, Clem, t'as dans pas un casque? Moi je suis dans la cave. Je pense que je vais me faire mettre le coup dans l'autre sens. Non, tout va bien, tout va bien. Il remonte. Elle remonte. Elle va vite. Wesh, attends, j'ai ma lampe qui clignote alors que je suis dans le camion, wesh. Quand il y a les lumières, elle va vite. Elle accélère quand il y a des lumières, hein. Ok. Elle peut-être Raiju. Un Jean. Elle speed de ouf. Jean. Jean peut-être. Jean ou Raiju? Raiju, hein, moi je dirais. Bah c'est parce que lumière normalement elle est pas... Celui qui agit sur les lumières c'est le Jean, le Raiju il gère sur l'électronique, ses caméras et des OTS. Donc il faut voir en fait si c'est à cause des endroits éclairés ou si c'est à cause de l'électronique. Mais non non, parce qu'elle a accéléré de non, c'est pas ma vraie voix. L'escalier. Je t'en tape une barre pour cette partie, c'est tout. Les gens ont fait, putain c'est ta voix? Ouais, de ouf. Ça c'est depuis le Covid. C'est depuis le Covid, ma vieille. Mais en vrai, je trouve qu'elle a accéléré, genre tu sais en montée d'escalier. Genre, ouais alors faut voir. D'accord, j'ai l'impression qu'elle a tapé un sprint dans le couloir. Mais... Alors regardez si... Ouais, parce non, que dans aussi, l'escalier, il y a des lampes au sol, vous voyez. Ouais, non, mais c'est pour ça, ça peut... Hein. C'est où qu'il était déjà? C'était là. Ok. C'est là, il y a des appareils photo. Ah, il attaque. Ah, je peux pas ressortir. Oh, la vitesse. Ah non, peut-être... Vas-y, viens dans le sous-sol, Dark. Elle allait moins on vite est en casier. Vrai. Non, peut-être Jean. Alors? Mais t'as vu, même avec l'électronique là, elle allait quand même vite. Regarde. Très très vite. On a tendu la vitesse. Ça faisait peut-être penser à un Jean, hein, faut ouais. voir. Bah, Jean, c'est ou quel marque le Jean? Mais j'ai connu ça, vous savez, la vitesse, tout ça, les descentes, on connaît. Hein. Ah putain! Le mec trop sombre! Ah, j'ai un passé, moi, vous pouvez pas comprendre. Gros background ici de la street cred. Addict à la pompote. Je dois me débarrasser de la compote. Excusez-moi, je dois être très sérieux. Vous arrêtez de faire les bolosses, Dominique. On se concentre, vite fait. Clem, arrête de rêvasser là tout de suite. Tu vas me choper une lampe torche et tu vas vite fait lui mettre un coup de pression là. Regarde comment j'ai réussi à la poser. Ok, super. T'es content? Oui, je crois que tu vas faire le Mario le cirque avec ton tour là. Allez, prends ça maintenant et viens, on y va. Oui, papa. Quel est ton pire souvenir? Qu'un dealer m'appelle papa. Attends, je dois faire quoi? J'ai brain fog. Oh, cette bande de bac. Mais d'ailleurs, il coupe le courant. Alors, si le jean coupe le courant, par contre, c'est pas du tout un jean. Mais moi, à mon avis, du coup, on est sur un Raiju. Mais est-ce que vous avez coupé le courant du coup? Ouais, il a été coupé. Ah non, on a rien coupé là, on est dehors. Excusez-nous, hein, on n'entre pas les cuisines, on fait pas joujou avec les placards, hein. On a un vrai taf, ok, on n'est pas des chômeurs. Vous savez, depuis que je suis sorti, moi, je me suis dit, il faudrait que je taffe dans la vie. Et je me suis jamais arrêté, moi. Et la motivation, ça paye toujours, je vous le dis, hein, direct. Moi, c'est séance de sport, tout ça, on y va, tu vois, on est pas comme les fantômes, c'est vraiment un truc, ça me répugne, quoi, ça taffe pas, ça fout rien. Bordel, le parasite de maison, enfin, je veux dire, il faut arrêter. Ok, Pascal, le grand frère, maintenant c'est bon, ok, Atlantica, là, tu fais quoi, là? Je vais me fâcher, là, si tu sors pas. Ok, on a besoin de couper le courant. Qu'est-ce que je prends? Eh, oh, tu viens pas? Elle vient faire du... la Provence, là. C'est de rester sérieux, là, putain. Salut Dark, ça fait grave longtemps que je suis pas venu, car j'étais en train de regarder toutes tes vidéos façon sur YouTube. Je suis grave content d'être de retour. Là, je suis censé t'engueuler normalement dans mon personnage, ok, mais ok. On va dire merci pour le soutien, ça fait plaisir. Merci la street, on rappelle. Les portes de nos grands frères. Tu gagnes en street crédibilité là. Continue. Je suis à terre, c'est terrible. Allez, on y va. Il est vraiment pas loin. Vous avez coupé le courant du coup ou... Alors, on va voir s'il court. Il court, ok. T'es pas mort, hein? Ah, le bâtard! C'est un Raiju. C'est pas un Jean, en tout cas. Je lui ai mis une lance dans la gueule. Il allait vite, hein. C'est un Raiju. Raiju ou Hantu?
Peut-être en tout. C'est vrai qu'on a aucune preuve hein, actuellement. Ok, je coupe le courant, on va voir ça tout de suite. Il s'alimente au fumier. Alors, je recherche un chargeur d'encens. Avec Salut Astro, bonne nuit. Repose-toi bien comme un bonhomme. Putain, quel... Zéro crédibilité. Oh, le taux de testostérone dans cette voix. Tu la sens ou pas? Le mec, il dort avec ses haltères. Mon pec oui. Droit, il te dit bonjour en morse, ok. En pleine nuit, il fait un rêve. Toi, j'ai rêvé que je soulevais des haltères, là. J'ai rêvé que je soulevais du parpaing. Ça me fait du bien, moi. Maintenant, petit déjeuner, je mange de la brique. Il dort avec ses haltères. Ah, oh, ça, je retiens. Attention, ça. Il attaque. Chasse. On est très voilà. Mal. Est-ce qu'il court? Est-ce qu'il court? Il est où? À l'étage. J'ai l'impression qu'il court quand même. Il court quand même. Ça galope toujours, il est coupable. À mon avis, c'est beaucoup plus que 3 kilos de shit. Est-ce que... Il va aussi vite ou pas? J'ai l'impression qu'il va aussi vite, ouais. Ouais, ok. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'elle a fait à la porte? Oh, c'est fermé. Oh merde, il attaque. Du coup, j'ai pas mon encens, j'ai juste un pauvre briquet à la con et... C'est pas avec les deux clopes que j'ai dans le pantalon que je vais pouvoir faire quelque chose. Non, il dévale. Est-ce qu'il va... Ouais, mais j'ai pas eu le temps d'enlever les lampes, putain, dans l'escalier, là. Chier, y a une spirit box, y'a tout qui traîne par terre aussi, les mecs sont crado, là. Ça meurt et ça laisse tout par terre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quoi le contraire du revenant? C'est le repartant, exactement. Là, je suis désolé, mais je suis d'accord. Ça a beau être un bouffon, l'autre, il a une bonne répartie, j'y peux rien. Je t'échange une chaussure contre ta tasse. Adjugé. Est-ce que dans un tournoi de Magic, ou ça se passe comment, là? Quand? Il va pas aussi vite, là. Il va pas aussi vite. J'ai l'impression qu'il va moins vite, ouais. En bas, il va pas aussi vite. Qu'est-ce qu'il y a pas en bas? De l'électricité? C'est pas la température. On a coupé le courant. Il devrait courir vachement vite partout. Mais ouais, là, tu vois, il était au sous-sol. En moyenne à la cave. Hein. Sous-sol. En vide. Salut Firework. Comment ça va, mon bonhomme? T'as la forme? N'oublie pas de boire beaucoup de prot. Comme ça, tu pourras faire du tam-tam avec tes pecs. Et boire du lait à fraise aussi. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas 6 ans. Ressaisis-toi un peu, t'es adulte. Ça s'agirait de doser à un moment. Mais tu vois, quand il arrive... Oh. Après, des lampes de poche et tout, il accélère lampes de ouf. De pont. Ouais, okay. Mais j'ai l'impression qu'il va effectivement plus lentement en bas. Ouais, c'est un fantôme d'altitude, ça je reconnais. On les voit que dans les montagnes. Ouais, Raiju. Raiju. Y a pas d'électricité j'ai envie de dire en bas. Raiju, hein, mais... Parce que le problème, c'est que je crois que l'électricité, malheureusement, se gère sur les étages, un petit peu comme les capteurs sonores. Du coup, en fait, on va avoir un petit problème. C'est-à-dire que lui, il est dans la zone. Mais quand il arrive en bas, là, directement en cave, sûr, il préchote rien parce qu'il est pas en dessous. Du coup, c'est un Raiju. Je vous ai déjà montré mon gros muscle, avec la grosse veine sur le bibi. Profait. Vous avez tous fait des petits ronds sur vos papiers, c'est bon, vous êtes contents? Ouais, oui. Ok. Eh ben du coup, on se casse. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais bon, clairement, il faudrait partir. Oh non, prochaine partie. Allez, bouffez mes pecs. Ouais. Bien la lumière. Et je suis de retour. Ah, merci. Oh, ça fait tellement bizarre d'avoir ta vraie voix maintenant. C'était juste le temps d'une partie, ça m'a fait beaucoup rire. Désolé, hein, évidemment, c'était full n'importe quoi. T'as mec, ton micro, il s'est fait hack. Désolé, les gars, j'ai été à coup.